ITFM a eu le plaisir d'interviewer Alice Clairotte-Rouget, responsable de l'entreprise Idealis, au sujet de sa participation à la Semaine européenne de réduction des déchets. Alors, j'ai lancé le projet en partenariat à la base avec Nana Sac Plastique. C'était parti d'ateliers concernant la fabrication de couvre-plats. Et puis, de fil en aiguille, je me suis mise à les fabriquer, à les commercialiser. Et puis, la gamme s'est étoffée parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait trouver et proposer surtout des alternatives zéro déchet à pas mal de produits. Alors, c'est vraiment le cœur d'action de ma société et des produits que je propose. Donc, moi, dès le départ, mon ambition, c'était de proposer des alternatives afin de réduire ces déchets. Donc, effectivement, la CERD me correspond tout à fait. Et c'est avec grand plaisir que je participe et que je prends part aux différents événements qui sont proposés un petit peu partout cette année sur Tahiti. Alors cette année, je vais participer au Festival Zéro Déchet qui aura lieu à Pirae samedi 23. Donc je vais pouvoir montrer les alternatives que je propose qui se veulent principalement pour moi simples et efficaces. Il faut que ce soit facile d'utilisation, que ça ne change pas notre geste au quotidien pour qu'on puisse adopter ces produits et constater vraiment qu'on peut tous faire chacun un geste pour l'environnement. Alors je propose plusieurs produits, que ce soit pour la cuisine avec des couvre-plats qui vont venir remplacer le film plastique, des biswap qui vont remplacer toujours le plastique pour emballer directement les aliments. Il va y avoir des sacs à légumes et à vrac en tissu, des sacs à pain, et puis aussi du côté de la salle de bain avec pour les femmes des lingettes démaquillantes qui vont être lavables et réutilisables. Pour les enfants aussi, avec des tissus qui sont vraiment sains pour l'environnement et sains pour le corps, des filtres à café lavables. Et puis la gamme s'agrandit. Voilà, là j'ai sorti récemment des coussinets d'allaitement, toujours en coton Ecotex, lavables et réutilisables. Et puis la gamme, je vais essayer de continuer à l'agrandir parce qu'il y a vraiment plein de choses qu'on peut remplacer. Alors vous pouvez trouver mes produits à l'épicerie Punoya, à l'épicerie Ecovrac à Mamao et à Mo'o Boutique à Moréa.